Bonjour tout le monde, bienvenue dans News AD. En fait, nous portons un update pour vous sur le dernier événement qui s'est passé dans Portland. En fait, nous voulons rappeler que Portland, c'est côté en fait, qui a fait actualité lorsque vous avez tué George Floyd et la police vous avez mis les pieds sous coude. Fondou depuis Léa et Town ne s'est pas jamais en paix, c'est levé campé et manifestation, monde qui a demandé la police réforme. Il prend plusieurs phases. Et à un certain point, elle devine, en fait, manifestation était plus levée lorsque Donald Trump était voyé et militaire dans la zone. Après ça, elle devine retirer militaire. Elle devine font diminuer. Mais malgré ça, toujours il y a un monde presque chaque soir qui descend dans la rue pour demander la police réforme. Eh bien, hier qui était samedi, elle a dégénéré. D'ailleurs, elle a dégénéré, elle dit, en fait, qui s'est passé? Il y a un monde qui prend balle, il y a un autre qui perdit la ville dans une nuit de violence. Qui ça a été? Eh bien, Devin Gagné, ça a été les batailles qui t'a pété entre les supporters de Donald Trump et moun qui a protesté contre la police brutalité. Ça t'a voulu dire qui ça? Ça t'a voulu dire que nous connaissons dans Portland, généralement, c'est des moun qui a manifesté contre la police brutalité. Il se trouve que il y a des supporters de Donald Trump qui viennent faire face avec eux. Et police et en fait la police by détail sur l'événement hein? Et vous va comprendre que gen youn qui joine yon balle dans l'estomac hier soir vers samedi soir vers 8h46 et maintenant autorité yo justement poko bay non suspect dans moment là et mais y a demandé tout monde qui en fait ça qui ça veut dire ça moun que yo ta suspect qui touye l'autre là yo beaucoup pour identifier mais y a demandé tout témoin tout monde pour ta bay contact dans cadre d'investigation cap en fait pour ta bay information sur investigation sur ça ou te connaît et maintenant semble rappeler ça fait presque 90 jours on dit 90 nuit consécutive que moun a protesté dans Portland pour dénoncer police brutalité et ça relé injustice raciale. Protestation ça yo qui a commencé depuis la mort de George Floyd en mois de mai par jam campé. Le défont ti baissé certes. Mais semaine dernière avec la mort de Jack Blake dans Wisconsin il a relevé pour la plus belle. Moun yo touye dans Portland hier soir là. Monsieur te gagné dans tête. En fait, c'est une partisan Donald Trump. Yo disons pour les pro Trump, yo relé yo des far right, mais c'est le monde de l'extrême droite qui gagne yon base yo. Yo vinn faire base yo dans Portland pour capable faire laisser frapper avec moun qui a protesté yo. C'est ça que un journaliste dans New York Times fait connaître. Maintenant, il faut dire que la police t'a envoyé un tweet pour dire que il y a des exemples de violence entre démonstrateurs avec en fait, des gens qui ont fait manifestation et contre-manifestation. Il dit que il a arrêté quelques gens pour capable éviter et pour capable éviter bataille et autrement des monde pour pas aller dans downtown à cause de problèmes ça qui vient. Maintenant suivant des posts événements, il dit qu'il y a des monde qui était planifié pour y être réuni dans Clackmas Town Center et qui trouvait lié à 17 miles de Software de Portland. Il était planifié pour y être en fait il y a une ligne de machines, motocyclettes, truck et autres. Et te gon bon la dan yo ki te gen avec Trump 2020 image protestation
te vin gon en fait te gon large groupe de Trump supporters qui étaient réunis et justement te gen des images et te gen drapeau te gen Trump avec en dit des images de Trump ensemble avec yo. Et bien dans la soirée t'as pral vin gen justement affrontement entre pro Trump ça yo avec des monde justement cap et mandé police réforme et cap mandé justice pour souko et en faveur de et en faveur de action que les policiers fait sous des hommes de couleur. Maintenant et ça pour nous comprendre que événement Portland yo justement attiré l'attention que effectivement Amérique en chaos et ça va dépendre de qui gens ont interprété événement ça. Ça t'avait dit que pour un pile démocrate, vous présentez, vous dites, this is what it is. Mais ça nous est le Trump America. Trump America, en fait, je vais vous présenter, c'est un Trump pour dire que, bien ça n'a pas les police brutalité, injustice sociale, des groupes mondiaux qui sont frappés. Donc, à la vérité, on parle d'images sans catastrophe. Mais, les républicains, ils doivent dire que le bras le plus mal que j'en lis. En fait, c'est ça, ou le doux, ou le doux que si Biden prend la plus mal. Mais la réalité, tout ça qu'a fait là yo y a fait justement sous pouvoir Trump là y a fait sous sa présidence et qui ça qui expliquait ensemble d'affrontement ça yo c'est déchirure qui gagne au niveau de tissu social là qui fait que ou presque arrivé non état côté capable gagner ça d'arrêter yo en fait faut faire attention pour ne pas arriver dans guerre civile puisque il y a d'autres groupes monde qui a frappé par rapport à l'autre groupe monde. OK, donc et il faudrait que ça n'a rien inquiétude et c'est ça l'inquiétude chaque acteur yo que yo tenu compte. Il faudrait que ou gagne un leader qui à la hauteur pour dire que yo pas capable accepter ces genre d'action de la part de la police mais tout pour capable dire li impossible inacceptable tout pour gagner des violences qui peuvent bouler à faire monde. Il faudrait que tu aies un leader qui vous fait la part des choses et c'est ça peut-être ces derniers jours nous dit que on ensemble des démocrates a fait on ensemble des démocrates eux même ont dit ils condamnent la violence et mais ils ont dit que mais c'est ça et ils ont dit faut nous capable qui ça qui provoquer ça et ça nous sommes assez en fait ça qui passe hier là il est clair que ça on va même parler de police brutalité ou parler de série de pro Trump justement qui viennent mettre en face d'autres monde cap manifester contre police brutalité c'est ça qu'on vient jouer là. Et ça effectivement li constitué sa nouvelle et vise et li accouché America que Trump ban nou an yon America côté que d'autres groupes moun pense que c'est yo qui s'en dare les vrais blancs et que pays ça c'est pour yo et li triste parce que là avant comprendre bon li dépasse son cause de couleur et si on prend ça privé et dans Kenosha par exemple deux moun qui mouri yo c'est deux blancs oui. Et qui ça vous qui ça était dans la rue, yo t'a revendiqué droit pour noir, yo perdit la vie. Et c'est ça vous comprendre là. Donc, il est clair que Trump America ou vient créer une véritable division entre des groupes monde qui pensaient que et bien c'est celle que c'est yo qui vrai héritier nation ça, que tout l'autre yo, ça qui pas noir qui même couleur avec yo, si yo pas dans même rang avec eux, c'est traître. Yo c'est traître, yo pas des patriotes, voilà le mot. Parce que tout grand mot du patriote. Et que l'autre et que tout ça parle dans le même sens avec yo et que c'est à des traîtres que yo est pas des véritables patriotes donc et par conséquent yo t'a mérité mourir c'est ça le problème là. Donc ça nous le dit pas là événement Wisconsin non et pas bien parler d'événement de Wisconsin nous parle à la fois de la mort Blake Corba 7 Balando et la mort de deux monde qui t'a manifesté. Mélanger avec ça que ça fait hier soir là, il vraiment créé un véritable climat de tension et que qui pral un facteur tout ça pral dépend de l'opinion publique qu'on bataille au niveau de médias qui genre que nous concevoir qui projection que nous fait de ça qui a passé. OK, suivant projection que nous fait ça qui a passé, il est clair que et si nous présenter lui comme what it is, Trump America, yon c'est sur tes côtés que gen des groupes de monde avec et gros drapeau, vous comprenez? Et ça vous manque, c'est toche là, vous manquez, oui, vous comprenez?
Cette torche là, vous manquez parce que longtemps vous avez une torche. Et qui décide d'attaquer des séries de monde qui victime, qui voulait faire passer frustration, tout simplement. Ok? Donc c'est ça que nous avons là. Donc, et nous, ils viennent délivrer un véritable désordre lorsque nous venons gagner des groupes civils en face d'autres groupes civils. Ils viennent vraiment une situation out of control. Donc, voilà, guys. Et c'est des événements qui, d'une manière ou d'une autre, vont gagner des influences sur les élections à venir. Donc, et ça va dépendre de, je dis à ces 30, nous étions pratiquement presque en 2 mois. Donc, dans le jour qui a venu là, il y a un ensemble de facteurs qui sont vraiment décisifs, qui permettent qu'ils décident qui est tout le monde qui va gagner l'élection. Donc, voilà, guys, c'était votre update ça, pour ne pas oublier, toujours être connecté avec nous. Les toutes dernières informations, nous toujours partager avec vous. Bye bye tout le monde.